vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars. Il y a de l'occasion. Il y a Bella qui a trouvé un petit jouet pour jouer. Un petit jouet pour jouer. C'est pas fait pour autre chose en même temps. Viens ici. Je vais piquer son jouet. Mais qu'est-ce que son jouet? Un ticket de chez Emmaüs. Oui, parce qu'il y en a partout des tickets de chez Emmaüs à la maison. Ça date de quand ça? Le 04-7-2018. Ouais. Doudou a fait du tri hier. Et je me suis fait engueuler. Faut que j'arrête d'acheter des livres. On achète encore deux bibliothèques et après c'est fini. Faut que je lise mes livres avant d'en acheter. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Mais bon. Donc voilà. Avec quoi Bella jouait. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars. Donc il y a de l'Emmaüs. Encore. Il y a du neuf. Je vous montre pas les e-books parce que j'en ai téléchargé. Mais je les ai pas encore mis sur ma liseuse. Donc ça compte pas. Voilà. Je vous les montrerai le mois prochain. De toute manière, là j'ai déjà une pile assez conséquente de papier. Donc. Hein. Donc on attaque. Pas de disclaimer. Enfin, je suis faible, vous le savez. Et en même temps, là, j'en ai pour combien de tout ça? J'ai même pas dû en avoir pour 50 euros. Donc, si on fait le total du tarif que je les aurais payés si jamais ils auraient été neufs, je pense que je suis largement gagnante. Bon, allez, on attaque. À Emmaüs, j'ai trouvé plusieurs tomes d'une même saga. J'ai pas tout rangé dans le... ça, je pense que c'est ça. Après, je sais plus trop s'il n'y en a pas encore. Je crois pas. Donc, j'ai trouvé plusieurs. Ah, bah, c'est écrit sur le côté. Il y a 6. Mais après, il y en a certains, c'est pas noté. Donc, non, je saurais pas de quel numéro c'est. C'est écrit devant. Non. Donc, j'ai trouvé plusieurs tomes de la saga Les voleurs d'âmes. Donc de Rachel Vincent aux éditions Darkis, donc il n'existe plus. Mais j'avais déjà un tome dans ma bibliothèque et voilà, il me fallait les précédents. Donc j'ai trouvé La Rose et L'Ombre. Les couvertures sont très jolies, je trouve. Ensuite j'ai trouvé Sauve mon âme de la même auteur, mais c'est pas, ça fait pas partie de la saga. Ensuite, dans la saga Les voleurs d'âmes, j'ai trouvé La Reine des âmes. Ça, c'est le tome 7. Ah bah si, ça fait partie de la série Voleurs d'âmes. Là, je suis en train de me dire que il y en avait un et que je n'ai pas pris, que j'aurais dû prendre, mais il n'était pas en très bon état, donc c'est pour ça. J'avais vu celui-ci dans les rayonnages, mais je ne l'ai pas pris parce qu'il n'était pas en très bon état. Mais bon, moi, dans ma bibliothèque, j'avais déjà celui-ci. Voilà. Et j'ai aussi trouvé N'ouvre pas les yeux. Donc là, il me manque La voleuse d'âme. Le 2, il me semble. Enfin, je verrai, je le retrouverai peut-être la prochaine fois que j'irai à Emmaüs. Ouais. Ensuite, en Hugo Poche, version offerte, j'ai trouvé Raison et Sentiment. Voilà, de Jane Austen. J'ai déjà Orgueil et Préjugés dans ma palme, mais en grand format. Et ça me fait peur. Mais enfin, voilà, celui-là, j'ai dû l'avoir à 1€. Il est neuf. Je me suis dit pourquoi pas. Je me dis souvent pourquoi pas. Mais voilà, les couvertures, je les trouve très jolies. Enfin, voilà. C'est sûr que niveau vocabulaire, ça va pas être du tout le style que je lis habituellement. Mais bon. À voir. En version poche chez Hugo Roman, j'ai trouvé aussi The Deal. Celui-ci, je l'ai en grand format que j'avais trouvé chez Momox. Mais je l'avais reçu, il n'était pas forcément voilà, dans l'état que je m'y attendais. Et je me dis pourquoi pas vous le faire gagner en concours ou autre, même si c'est une version offerte ou quoi. Il est neuf. Celui-ci, pareil, si jamais je viens à lire ou quoi, pourquoi pas vous les faire gagner en concours.
prochainement. Ensuite, ma belle-mère s'est mise à la lecture depuis qu'elle est à la retraite. Donc là, elle me vide mes bibliothèques. Elle lit ma palle beaucoup plus vite que moi. Clairement, elle est à la retraite, hein, donc elle a le temps de lire. J'ai un chat qui me surveille. Et du coup, je l'ai emmenée une fois à Emmaüs. Voilà. Et elle a déjà fini ce qu'elle a trouvé à Emmaüs. Du coup, dernièrement, elle a acheté ce tome-ci. Donc, encore. C'est même pas une saga, mais aussi édition addictive de Lucy K. Jones. Donc du coup, elle l'a lu et elle me l'a filé quoi. Donc là, je lui ai filé les addictives que j'avais dans ma palle et quelques petits tomes de romance. Je vide une bibliothèque, je les file à ma belle-mère, après je les récupère. Donc c'est un bazar sans nom dans ma palle. Mais bon. Ensuite. Doudou m'a offert The Effigies, le tome 3. Donc, c'est de Sarah Rowley. Voilà. Je lui ai dit, quand j'achète des livres neufs maintenant, je préfère acheter des suites de saga et voilà, les avoir. Donc, il y a des sous-blisters. Sachant que celui qui m'avait pris le premier, je l'ai ramené parce qu'il était abîmé. Et comme d'habitude, vous arrivez à l'accueil du magasin, où c'est qu'il a abîmé votre livre? Bah, il était abîmé sur la tranche. Mais pour eux, c'est rien. Mais enfin, pour quelqu'un qui. Voilà. Quand j'achète du neuf, j'aime bien que le neuf, il soit neuf, quoi. Qu'il soit en bon état. Et pas abîmé comme il était sur la tranche, quoi. Donc, voilà, j'ai été échangée. Pour la petite histoire. Mais ils font un peu de plus en plus flipper, je trouve, les personnages sur les couvres. Je sais. Je pense pas que ce soit le dernier tome. À mon avis, il va y en avoir plusieurs encore derrière. C'est un cas que je n'ai pas commencé, hein, mais bon, je vais peut-être attendre de, voilà, de les avoir tous et puis de la commencer après. Je vais peut-être faire ça. Ensuite, on retourne à Emmaüs. J'ai retrouvé des petits Disney, donc j'ai pris Cendrillon, un bébé. J'ai trouvé Peter et Elliot le dragon. Celui-ci était passé à la télé il n'y a pas très très longtemps, mais peut-être en version un peu plus récente. Mais ça m'intriguait, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Un dimanche après-midi. Et j'ai aussi pris Lilo et Stitch. Voilà. Ensuite, toujours à Emmaüs, je me suis pris Glam, blog d'une stagiaire de Virginie Platel. Ça faisait un moment que voilà qu'il y était, que je le prenais, je le reposais. Mais enfin, voilà, je trouve vraiment la couve vraiment trop belle. J'aime beaucoup cette édition, la maison d'édition DB qui n'existe plus. Mais enfin voilà. Sachant que c'est censé coûter 15 euros un livre comme ça, neuf. Je l'ai eu à 3 voire moins. Hein. Comme d'habitude. Je pense que c'est des petits dépôts de Julia, ça même. Ensuite, j'ai trouvé La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Ça m'intriguait. C'est aux éditions Flammarion. Je vais vous enlever la jaquette et je vais vous montrer l'objet livre. Je le trouve très joli. Il est très court. C'est écrit relativement gros. Donc ça pourrait être lu relativement rapidement. Et, enfin voilà. De l'avoir trouvé celui-ci. Ensuite, je me suis pris un Brandon Sanderson Warbreaker. Je trouvais la couve très jolie. Brandon, ouais, c'est ça. Hein, Sanderson est relativement réputé. Je me suis dit pourquoi pas. J'espère que c'est pas. J'ai pas vraiment regardé si c'était une saga ou autre. Mais. Il est un petit peu jauni sur la tranche, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais sinon, il est quand même relativement bon état. Je ne sais même pas s'il a été lu. Mais un auteur qui m'intrigue. Ensuite, j'ai pris un Kristen Higgins. Je ne l'ai pas retrouvé en. Ah bah si. Je viens de voir un truc, mais c'est pas grave.
Donc j'ai pris N'y pense même pas, donc de Kristen Higgins aux éditions HarperCollins en grand format. Et enfin voilà, je les amasse et c'est ma belle-mère qui les lit pour l'instant. Voilà. Mais un jour, j'attaquerai cet auteur. Il va falloir. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette idée reçue de lire ça en été. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Rien que la couve, ça donne envie d'être lu en été, ça. Enfin, je sais pas. Ensuite, et bah, du coup, je disais que je l'avais pas trouvé, mais si. Donc, La voleuse d'âme, donc de Rachel Vincent, chez Darkis. Donc, peut-être que j'ai la saga au complet. Peut-être. Ou peut-être qu'il m'en manque peut-être qu'un. Mais voilà, ça sent bon. Je sais. Je voudrais étendre mes jambes, ça serait bien. Ah, je commence à avoir un petit peu mal à la fesse. Ensuite, du côté des poches, j'ai trouvé La perle à la coquille de Nadia Hashimi. J'en ai beaucoup entendu parler. Donc ça m'a intriguée, donc je l'ai pris, il est en bon état. Voilà. Donc c'est aux éditions Milady. C'est le genre de bouquin que vous savez que vous allez l'aimer, quoi. Je sais pas. Ça... Ensuite, j'ai trouvé Guerre du monde émergé, livre 1 de Licia Troisi. Donc c'est l'autre saga. J'ai la première saga, Les Chroniques du monde immergé. Et voilà, j'ai trouvé celui-ci. Il est un petit peu abîmé là, mais bon, c'est pas grave grave. C'est chez Pocket Jeunesse. Univers qui me tente beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé une sortie de ce mois-ci. Enfin, c'est une réédition. Ils le sortent chez Milady ce mois-ci, mais il était déjà sorti chez France Loisirs en exclusivité. Donc, j'ai trouvé de Madeleine Reiss, S'il fallait se dire adieu. C'est une envie. Non, c'est une sortie qui me faisait très très envie. Donc, j'étais très 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 contente de le trouver à Emmaüs. Voilà. Donc avec la même couve en plus, juste le petit sticker qui est possible à enlever. Donc en très bon état, je suis ravie. Parce que celui-ci, il me tentait énormément, énormément, énormément. Donc ça aussi, je pense que c'en est un que je pense que je vais beaucoup aimer. Et je pense qu'il va pas rester trop longtemps dans la panne. Il me fait très envie. Ensuite, je vous avais dit lors de mon dernier book haul, il me semble, que le compagnon Emmaüs me permettait d'aller à l'arrière-boutique pour fouiner un petit peu. J'ai été déçue. J'ai pas trouvé grand-chose. Mais bon. J'ai trouvé. Je sais pas dans quel sens. Lequel est le premier. Alors, je vais peut-être essayer de vous les mettre dans le bon ordre. Donc là, vous vous doutez que c'est une saga. Après, je ne sais pas trop si je l'ai en entier ou pas. Donc j'ai trouvé la saga Entre chien et loup. C'est de Mallory Blackman aux éditions Milan Collection Macadam. Alors j'ai trouvé donc le premier tome, j'ai trouvé le second, donc La couleur de la haine. J'ai trouvé le troisième, Le choix d'aimer, et le quatrième qui est Le retour de l'aube. Je ne sais pas du tout si j'ai voilà, la saga en entier, mais je suis très contente de les avoir retrouvés. Dans cette maison d'édition, j'avais lu une saga que j'avais beaucoup aimée, la saga L'élite. Donc j'espère que ça fera de même pour celle-ci. Donc voilà pour ça. Donc très contente de les avoir vus. J'ai fouillé, fouillé, fouillé avant de trouver quelque chose. Et bon, je suis quand même relativement contente parce que j'ai réussi à trouver ceci. Donc j'ai trouvé La trilogie du mal, donc de Maxime Chattam, qui est un livre juste qui pèse une brique. Mais il est vraiment magnifique. Vous voyez? Et il est neuf, quoi. Il est neuf. Il est juste super épais. Je vais vous montrer.
mon ticket. Je vais vous montrer à quoi il ressemble sans la jaquette. Ni comme ça. Mais voilà. Très 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 contente de l'avoir trouvé. Je m'attendais vraiment pas à trouver ça à Emmaüs. Et en plus, neuf. Mais il est juste magnifique. Quoi. Magnifique. Je suis tellement contente. Par contre, pour le lire, ça va être un petit peu problématique. Parce que je vais avoir peur de l'abîmer ou quoi que ce soit. Donc je me ferai un chapitre voilà, le soir. Voilà. Les jours où j'aurai pas envie de faire du montage ou du DP le soir en rentrant du boulot ou avant d'aller me coucher, bah voilà. Je me prendrai mon bouquin, je me lirai un chapitre ou deux ou trois. Mais il est juste magnifique. L'objet livre est juste trop 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 beau. Donc j'ai tellement 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 contente d'avoir trouvé ce beau bébé. Donc voilà pour mon book haul du mois de mars. Elle va me choper. Non. Attention. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao. Je t'ai attrapé, je t'ai attrapé. Vas-y, lâche le drap. Lâche le drap. Viens dire bonjour. Bonjour les abonnés. Bonjour. Je suis une peste. Tes poils. Ah. Ah bah, 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 bah. Oui, tu m'as niqué, oui. Ah, puis je t'en refais un, moi. Oh, mais je suis tarée.